Alors, il n'y a pas vraiment de méthode classique, c'est plutôt la machine qui va officialiser l'humidité du grain. Mais on peut faire l'ancienne méthode où le principe même est de prendre deux épis dans sa main. On soufflait pour récupérer les grains. Et là, on faisait la méthode de la dent. Ça croque, c'est que c'est bon. Et maintenant, c'est la machine qui le dira. On est parti. Voilà. Une fois la benne remplie, l'agriculteur a deux possibilités. Soit il se rend sur le silo le plus proche, ou alors il peut se rendre sur un silo bord à canal de la coopérative. Nous lui proposons une prime logistique pour désengorger nos petits silos. Bonjour, nous sommes à Cartigny. Nous récoltons entre 10 et 11 000 tonnes de blé. Nous sommes une équipe de 4 personnes, dont 2 administratifs, et une personne du soir qui m'épaule pour pousser les tas. Maintenant, on est dans le bureau. On va procéder à l'échantillonnage pour savoir le PS, l'humidité et la protéine. Après, il faut en donner à l'agriculteur et un échantillon scellé qu'on garde, nous, à la COP pour la traçabilité. Bonjour. Voilà, après la méthode manuelle vue sur le champ, vérification de la machine, donc les humidités sont très sèches. PS très bon, protéines très bonnes, il n'y a plus qu'à vider. Nos adhérents, c'est une priorité. Nous ne fermons pas le site, on attend qu'ils finissent de livrer. Si on a un doute, on leur passe un coup de fil. Allez, on enchaîne les bennes tant que l'humidité est bonne. Merci à tous de votre bienveillance et bonne moisson !